Les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je me suis préparée. Ça va, j'ai mis une belle petite tenue aujourd'hui. J'ai fait full noir et j'ai rajouté cette petite veste à boutons. Inspiration Chanel, j'aime trop. Donc là, les filles, je vais aller faire à manger. Juste, je passe une petite annonce parce que ce matin, je me suis réveillée, j'ai regardé la météo. Je me suis dit, peut-être que ma Gentle Revel, elle peut se transformer en catastrophe si j'anticipe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? De prendre une tente. Vous savez, les genres de tentes cristal, puisqu'à la base, je voulais les faire en extérieur parce qu'il y avait annoncé grand soleil. Donc, je me suis dit, j'avais prévu des choses, mais je me suis dit, il faut prévoir le pire du pire. Donc, ce matin, j'ai passé ma journée à appeler des gens pour louer des tentes cristal. J'ai reçu quelques messages, mais rien de confirmé. Mais normalement, c'est OK. Mais au cas où, les filles, si vous avez des personnes dans votre entourage, si vous-même, vous êtes dans l'événementiel et que vous louez, je suis preneuse. Franchement, je suis preneuse pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous savez, je vais vous mettre la photo bah, je vais la mettre juste ici, la photo des genres de tentes que je recherche pour ma Gentle Revel. Donc, c'est des tentes transparentes, mais au moins elles sont couvertes. Je vous ai mis des petites photos du genre de style de tente que je cherche, assez transparente. Mais j'ai reçu des réponses positives, donc dans tous les cas, je suis contente. C'est pour ça que j'ai repris le fil de ma journée, parce que ça m'avait bloqué ce matin. Je vous jure, quand j'ai vu la météo qui a changé d'un coup. Mais quand même, je demande au cas où si vous connaissez des gens dans l'événementiel ou quoi. Plus j'ai de réponses positives, mieux c'est. Donc voilà. Donc moi, je vous montre ma petite tenue d'aujourd'hui. Très simple. Là, je vais faire à manger. On va tester une recette Picard. Ma veste pour vite fait faire à manger. Donc on va tester aujourd'hui purée de patates douces de chez Picard avec des noix de Saint-Jacques à la poêle. Picard aussi. Donc comme ça je vais vous dire mon avis si c'est bon ou pas, genre si ça vaut le coup. Là les filles, je suis venue décongeler mes noix de Saint-Jacques et je vais faire une petite sauce au beurre. Et là je suis en train de faire la purée dans la casserole. Pendant que ça cuit, je vais venir ajouter du sel, du poivre. Ça a l'air trop bon. Et là, mes noix de Saint-Jacques, je les ai retournées. C'est très rapide la cuisson. Bon, les noix de Saint-Jacques, c'est bientôt cuit. La purée, je vais la goûter quand même. J'ai bien assaisonné. Je suis pas fan. La purée Picard, je suis pas fan. Il y a un arrière-goût. Attendez, je regarde si j'ai jeté le papier. Je crois que c'est la courge que j'aime pas. Pas mauvais, je vais manger hein. Mais la purée, je suis pas fan. Je vais pas vous mentir. Je vous la recommande pas la purée. Je vais la manger parce que j'ai faim. Je vais vérifier, je vais la manger. Mais je m'attendais plus à avoir le goût de du butternut. On dirait le goût de la courge, j'y reprends plus de dessus. Bon, tout est cuit les filles, je vais dresser. On va voir le mix des deux si c'est meilleur la purée avec. Elle est bonne mais je m'attendais à mieux. Le dressage ensemble. De faire comme les autres, mais la nuit je peux pas te rater. Trop de problèmes dans ma tête, y'en a beaucoup, ils m'en veulent. Problèmes dans ma tête, y'en a beaucoup, ils m'en veulent. J't'aime barrer ta tête, j't'aime barrer ta tête. Donnez mon cœur, j'peux pas, j't'aime barrer ta tête. Même si ça fait mal, tous les jours je demande à Dieu d'avancer tout droit. Oh là là là, on fait avec hein.
on fait avec. Hein. Pas de problème dans ma tête. Je n'aime pas, qu'est-ce que je peux faire. Bon, écoutez, on va goûter les girls, hein. Le mix des deux. Jamel, tu vas nous dire ce que tu en penses. Merci, ça a l'air pas mal. Jamel va nous dire ce qu'il en pense, lui. Elle est pas bonne. La purée. Ah ouais. Et loin de ça, Jacques. On dirait du produit vaisselle dedans. Moi, j'irai pas jusque là non plus. Je te jure, elle est chimique. La noix de Saint-Jacques. Ah, c'est vrai qu'elle est bonne. Ça, c'était... Bah, après, la purée, c'est moi qui l'a faite. Très bonne. Mmh. Mais la purée... Tu peux voir, un petit goût de purée. Non, la purée, laisse tomber. Je te jure, elle est vraiment... Ça va te casser le goût. Ah ouais. T'as vu ? Il y a un truc bizarre dedans. C'est la courge. Bon, moi, je me suis fait une assiette moche. Toujours jamais je lui fais des belles assiettes, moi, les moches. Bon, il a quand même mangé la purée, hein, pas de gaspillage. Moi aussi, je vais la manger, mais c'est pas la meilleure purée, quoi. J'ai plusieurs des purées, mais vraiment, celle-ci, ça n'a rien à voir. Parce que tout le monde m'a dit, ouais, rajoute de la crème, rajoute de la vache qui rit. Bah, moi, je l'ai achetée pour qu'en fait, elle se fasse comme ça, en fait, sans rajouter de crème ou autre. Parce que c'est inclus que dans, quand t'achètes la purée, bah, qu'elle se mange comme ça. Et vraiment, le goût, je vous jure, les filles, même si je rajoute de la vache qui rit, ça va peut-être adoucir. Mais il y a un arrière-goût. Pas de liquide vaisselle, parce que toi, tu me regardes, tu dis liquide vaisselle. C'est pas du liquide vaisselle, mais il y a un arrière-goût amer, en fait. Elle est pas bonne. Vraiment, la vérité, je vous dis, elle est pas bonne. Je vais quand même manger, mais j'aime pas. Vas-y, Jamel, monte sur la balance, qu'on regarde ton poids. 85 kilos! J'ai cuisiné un petit truc light, je me suis dit petite purée, noix de Saint-Jacques et tout. Je vais tester déjà Picard parce que j'ai acheté il y a pas longtemps et je voulais goûter. Tout simplement parce qu'hier, il m'a dit qu'il avait trop grossi et qu'il voulait maigrir. Qu'il voulait perdre 5 kilos, qu'il voulait redescendre à 80. Donc c'est pour ça que j'ai pas cuisiné très très gras ce midi et que bah, il m'a dit qu'il voulait pas manger trop gras en ce moment. En tout cas jusqu'au ramadan. On rigole parce que genre pour moi c'est normal, c'est de la purée quoi, j'allais pas lui servir. Mais bon, de toute façon c'est de ma faute, j'aurais pas dû poster les commentaires négatifs. Plus surgelé de toute façon, quand tu cuisines toi c'est archi bon. Donc là t'as testé surgelé, c'était pas bon. Bah ouais. Mais au final je t'en fous en fait parce que c'est surgelé. C'est surgelé, moi ça me touche pas mais... Après pour la quantité moi ça me suffit largement, j'aime bien manger midi soft, tu vois, comme ça voilà. Je suis léger. Après, je reprends un petit goûter. T'es mon mari, je te connais, je sais que je vais pas te poser la casserole entière de purée, quoi. Non, c'est clairement la purée en plus. Quoi. Voilà. Alors, bon, les filles, avant de sortir, je vais vous faire mon petit haul, la Parisienne K. Donc, aujourd'hui, je vais mettre cette petite veste juste trop belle. Vraiment, la qualité, les filles, là, c'est très doux. On dirait comme un peu du velours, mais mélangé un peu. Pas du tweed avec les petits boutons dorés inspiration Chanel. Franchement j'aime beaucoup ce petit bomber comme ça. Il est long, il est beau, la couleur elle est belle avec des petites boucles d'oreilles dorées. Donc voilà la petite première pièce que j'ai pris chez La Parisienne K. J'aime beaucoup les articles de chez La Parisienne K. Ce que j'ai pris dans ma deuxième commande, je les voulais trop en noir. Rappelez-vous, à Marrakech, je les avais en camel. Donc, je les voulais en noir. Et vous voyez, c'est un peu un noir d'un. Donc, ça, les filles, c'est des dupes des chez Hermès. Franchement, elles sont trop, trop belles et trop confortables. Donc, ça, vraiment, c'est vraiment des petites paires à avoir. Donc, moi, mes camels, c'est mes chouchous. Et là, les noirs. Bon, calculez pas mes pieds ni ma tenue. Mais c'est vraiment, genre, the pair que je vais saigner. La décura, les beaux jours. Après avril. Franchement, c'est vraiment la paire que je vais saigner. Elles sont vraiment magnifiques. Et trop confortables. Regardez les filles, je vous montre la paire de plus près. Bon, moi, mes pieds, ils sont pas faits. Donc, faut pas juger mes petits pieds. Mais avec un beau petit vernis, ça fera trop, trop beau. Elles sont vraiment magnifiques. C'est vraiment les mêmes. Vraiment, c'est vraiment le dupe parfait. Franchement, la Parisienne K, elle a que des pépites. Regardez-moi cet ensemble juste magnifique. Donc, vous avez les manches comme ça, évasées. Le col que vous pouvez soit laisser comme ça, soit vous pouvez le plier. Moi, je préfère faire comme ça, avec le petit bas de jogging qui va avec. Franchement, hyper féminin, hyper classe. C'est vraiment un jogging, un ensemble de jogging que
Vous pouvez sortir avec un petit sac à main. Attendez, je vais vous montrer avec un sac à main. Magnifique. Une petite sacoche bandoulière. Comme je vous ai dit, simple, efficace. Vraiment pas besoin de plus. Vous avez juste besoin du haut et du bas. Franchement magnifique cet ensemble. La couleur, elle est vraiment trop belle. C'est un beau beige. Vraiment très très beau. Alors les filles, ensuite j'ai pris ce petit pull. Franchement, il n'est pas trop cute avec les manches comme ça. Vraiment, c'est avec des petites perles aux oreilles. Une petite sacoche aussi, comme je vous ai dit. C'est trop trop beau. J'aime trop le col. C'est un pull en maille. Il est vraiment trop mignon. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec un jean bleu ou un jean noir, c'est vraiment trop, trop classe. J'aime trop les habits chez La Parisienne. Alors vous vous souvenez, à Marrakech, je l'avais pris en bleu, mais vraiment un super beau bleu. J'avais tellement kiffé la qualité du gilet. Vraiment, il est super élégant. Vraiment trop trop beau avec le petit nœud. Que je l'ai pris en blanc, donc d'une autre couleur. Et il est vraiment magnifique. Vraiment pour le coup, ce gilet, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Je vais vous remettre la vidéo que j'ai du bleu. Il est vraiment trop beau. J'ai pris cet ensemble en satin qui se noue comme ça derrière, qui s'accroche derrière comme ça, qui tombe. Donc total noir, vous avez le pantalon et vous avez le haut. Donc c'est vraiment un ensemble, le haut et le bas avec les manches comme ça. Il est vraiment très classe aussi. Bon, mieux sans le col en dessous. J'avais mon body qui était accroché. Mais il est super sympa aussi. Petit ensemble très classe avec des talons, je trouve que c'est très 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 élégant. Et pour terminer les filles, cette combi, je vous l'avais déjà présentée, elle est vraiment trop trop belle. Pâte d'éléphant comme ça sur le bas, golden. Genre vraiment trop magnifique. Bon moi j'ai mon bidou, mais sans bidou, elle doit être encore plus belle. Voilà les filles, vous allez avoir moins 20% sur toute la nouvelle collection Parisienne K. Donc moi j'aime trop, franchement j'aime trop trop trop. Par contre les filles, je suis vraiment choquée du dupe parfait que c'est. Je vais vous mettre une photo les filles sur Hermès. Quand je vous dis c'est vraiment le dupe parfait, c'est vraiment le dupe parfait. Et franchement, si c'est en rupture les filles, faudra pas se plaindre pour là la saison parce que s'il y en a plus, franchement je comprendrais. Elles sont incroyables. Bon les filles, on va aller à Leroy Merlin et je vais voir si je peux pas acheter le coussin de grossesse en magasin directement. Comme ça, je peux l'essayer et toucher la matière. Et... Oh, comment il fait froid aujourd'hui, dinguerie. Ah, aujourd'hui, il fait trop trop froid. Mais je me dis, tu joues à quoi, Jamal? C'est trop froid. On dirait un Esquimau. Je la sentais pas depuis ce matin, je sais pas pourquoi cette journée je la sentais pas. On roulait, là on est sorti de chez nous, là on est dans une station essence, on a réussi à, je sais pas comment il a fait Jamal, on roulait, la voiture d'un coup le moteur il s'arrête, il a rallumé en même temps que la voiture elle roule parce qu'on était en pente, donc il a descendu toute la pente et il s'est mis là dans un coin dans une station essence. C'est la dernière voiture qui nous restait, c'est même pas la nôtre, c'est la voiture de la mère de Jamal. Nos deux voitures elles sont au garage. Bon, c'est pas grave, c'est que du matériel, mais je sais que Jamal, il a trop le seum. Elle voulait se reposer. La voiture elle redémarre. Elle est genoudée la voiture. Hein. Nous, c'est la première fois ça me fait ça. Franchement, ça m'est jamais arrivé que je roule et que la voiture elle s'arrête d'un coup. C'était déjà arrivé toi, Jamal? Première fois, voilà. Carrément, je me disais, ouais, c'est bizarre. Ouais, alhamdoulilah, elle redémarre. Elle a quand même passé elle aussi faire un contrôle au garage.
Mes filles, je vais commencer par ce magasin. Vous m'avez recommandé de venir ici plutôt que d'aller commander sur Amazon pour le coussin pour dormir. Alors les filles, j'ai trouvé, là, il y a plusieurs modèles. Il y a des grands comme ça. Ah, c'est, par contre, c'est hyper doux. Et là, il y en a plein d'autres. Franchement, par rapport au choix qu'il y a de couleurs et tout, et pour le prix, je trouve que c'est quand même un peu cher. Parce que j'ai pas trop de choix, en fait, niveau couleur. Il n'y a pas de couleur neutre, vous voyez. Sauf celui-là, mais j'aime pas la matière à l'intérieur. Je vais aller dans une autre boutique voir si je trouve pas d'autres coloris, parce que j'aime pas du tout les modèles qu'il y avait. Il y a ce magasin aussi à la Croix-Blanche. Donc je vais voir si c'est moins cher et s'il y a d'autres modèles. Il y a la marque Petit Lit qui est à 59 et il est déhoussable, il se lave et il est doux. Mais il n'y a pas les microbilles à l'intérieur. Et il y a la marque Domo que vous m'avez recommandé qui est aussi déhoussable. Sauf qu'à l'intérieur, les microbilles, il est beaucoup plus agréable. Du coup les filles, c'est bon, j'ai acheté mon coussin, donc j'ai pris cette marque, je vais vous mettre la photo. Et les vendeuses, elles m'ont dit vraiment la réputation n'est plus à faire, c'est vraiment celui-ci que tout le monde achète. Et niveau investissement pour une deuxième grossesse, elle m'a dit que celui-ci va rester comparé à l'autre que j'avais vu qui était 10 euros moins cher. Donc j'ai pris celui-ci, elle m'a dit que c'était celui-là qui était élu à chaque fois, chaque année, meilleur, etc. niveau confort et tout. On termine par le Roi Merlin, on va regarder juste miroir et évier et après on rentre à la maison. Le miroir, il est trop beau pour la salle de bain, il est bien grand et en plus là vous avez l'effet, vous voyez, des givrages et tout. T'as vu Jamel, ça change de couleur. Ces gens-là, ils ont rien inventé, frère. Okay. Ouais. Jamel, il veut absolument que je me lance dans la pâtisserie. Je lui ai dit, mais pour l'instant, je sais pas faire. Donc. Bon, les pizzas, je suis rentrée à la maison. Là, ce soir, je vais tester ça. Donc, ça, je vais le mettre dans ma chambre. Comme je l'ai dit, ce soir, recette de cordon bleu maison avec des pâtes à la crème. Simple. Je vous partage de toute façon comme d'habitude. Et là les filles, je vais vous partager une petite offre les filles pour Musc Intime. J'avais pas d'offre pour la Saint-Valentin, j'étais deg. Mais là je suis contente, j'en ai une aujourd'hui. Donc franchement, profitez de... Franchement, il faut que vous chopez la nouveauté. La nouveauté les filles, Sweet Litchi. Mais que ce soit le déo, la mousse ou le musc. Comme je l'ai dit, incroyable découverte pour moi. Parce que moi je l'ai négligé beaucoup celui-ci. J'étais plus concentrée sur le rose mystique qui était un de mes favoris et qui l'est toujours. Mais vraiment la gamme Sweet Litchi les filles, sans exagérer. Il vous la faut absolument. Et des odeurs, mais vraiment les filles de propre, mélangées à de la rose, du litchi. Franchement, ça sent super bon. Ma marque préférée, franchement, c'est pas moi qui va refaire la renommée de la marque. Elle a été élue aux Victoires de la Beauté. Franchement, c'est une marque que je conseille d'avoir à toutes les femmes et même les adolescentes. Parce que moi, sachez que la sœur de Jamel, je vous le dis tout le temps, elle a 16 ans, elle ne met que ses déos. Sa mère, ma belle-sœur, les achète par lot de 6. Parce qu'ils sont tellement efficaces, vraiment, que ce soit la tenue, que ce soit l'odeur. Moi, j'ai toutes les senteurs. Donc, ce qui est cool avec Musc Intime, c'est que vraiment, vous avez du choix. Je vous montre juste toute ma collection de déos. Et même Jamal. Jamal, c'est le premier à l'utiliser. À la base, Jamal, je lui avais pris que celui-ci, mais qui n'est plus disponible. C'est l'éclaircissant parce qu'il fait pas trop girly, il est blanc et tout. Mais il s'en fiche, que ce soit rose ou rouge ou quoi. Il les utilise grave. Son préféré à l'heure actuelle, au début, c'est... Je vous disais, son préféré, c'était le musc blanc, qui est pour moi vraiment un classique, un basique à avoir. Et c'est vraiment le premier déo que je pourrais vous conseiller, parce que ça sent vraiment le propre, le bébé, vraiment, ça sent super bon. Mais depuis qu'ils ont sorti la gamme Sweet Litchi, vraiment, c'est devenu sa numéro 1. Vraiment, parce que au niveau de la tenue et vraiment de l'efficacité du déodorant, vraiment, les filles,
vous trouverez pas mieux parce que c'est vraiment des déos qui tiennent et qui sentent super bon. Fini les odeurs. C'est vraiment une marque que je recommande à toutes les femmes. Pour moi, c'est la marque numéro 1 à avoir dans son quotidien, dans sa salle de bain, dans sa trousse. C'est vraiment une marque que je recommande à toutes, que vous soyez des adolescentes, des femmes. Que ça soit le musc, que ça soit le déo, comme je vous ai dit, hyper efficace. Parce que le musc aussi, il est très, très, très concentré. Il va vous durer toute la journée. Ça, c'est quelque chose que je mets tous les jours. Quand je sors de la douche, ce que je fais, c'est que je mets ma brume et mon musc. Je sens super bon. Et je me lave tous les jours, mais quand je vous dis absolument tous les jours, avec la mousse intime de chez Musc Intime. Elle sent vraiment super bon. Que ça soit musc blanc, sweet litchi, monoi, je les aime toutes. Mais c'est vrai que maintenant, depuis qu'ils ont sorti la gamme complète de chez Musc Intime, la délicieuse, j'aime. Les filles, on va commencer à faire quoi? À aplatir nos escalopes. Donc si vous trouvez un rouleau comme ça, c'est parfait. Et vous aplatissez comme ça. Comme ça. C'est pas mal. Moi, nos escalopes, elles sont bien plates. Alors, ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez prendre du jambon comme ça en tranches et vous allez venir mettre une belle tranche de jambon. Ensuite, vous allez mettre du fromage comme ça, le blanc. Hop. Et on va venir refermer. Et on va faire pareil de l'autre côté, sauf que le fromage, je vais bien le mettre à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Là, vous avez vos cordons bleus. Donc là, quand il ressemble à ça, on va venir mettre dans la farine. Ça va être trop bon, regardez la sauce, j'ai mis du fromage. Ça va être incroyable mélangé dans les pâtes. Et les filles, ça va être prêt. Je vais venir mélanger mes pâtes dans la sauce. Hop. Et je vais venir tout
mélanger. Et voilà pour mon plat de ce soir. J'ai fait la même chose à Jamal avec la petite citronnade maison. Bon les filles, ce soir je vais dormir avec ça, je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai préparé ma petite bouteille d'eau, mon cariban et mes petits gâteaux du soir.